Encore la salle. Tu dois encore te le foutre à la poubelle, ton article. Cette fois, c'est différent. Il y a eu mort d'homme. Il y a la Pontezeille, la moitié de la montagne s'est effondrée dans le lac, tu le sais? Ah, te mêle pas de ça, Tina. La SAD est un poisson bien trop gros pour un petit pêcheur comme toi. Laisse tomber les poissons, et lis un peu ça. Dans mon article, je ne fais que poser la question que tous les gens d'ici se posent. Si un Pontezeille a pu faire basculer la montagne, qu'est-ce qui va se passer au Vaillon où il va se former un lac 10 fois plus grand? Rien. Il y a une commission de contrôle nommée par le gouvernement, elle est là pour garantir que tout est fait dans les normes. La commission. Aldo, un des 4 membres de la commission, un géologue du nom de Francesco Penta, se trouve être en même temps le conseiller de la SAD pour le barrage de Pontezeille où hier s'est découlée la montagne. Ce qui veut dire que le contrôleur est payé par le contrôlé. Tu trouves ça normal, toi? À la SAD, ils font ce qu'ils veulent. C'est une espèce d'état dans l'état. Bah, tu vois que tu ferais mieux de laisser tomber. Et t'occuper un peu plus de toi. Et de ta famille. Tu vas pas t'y mettre aussi, toi. Ça suffit pas ce que disent les gens. Je travaille à l'UNITA, mais je suis une bonne épouse tout de même. Et je suis une bonne mère, oui ou non? Ouais. Ouais, c'est vrai. Ah, ça y est, Tony est réveillé. S'il te plaît, apporte mon article à la gare. Il faut qu'il soit à l'UNITA avant ce soir, d'accord?